forma și cap de vase. Because you preach the fall in picture. E pentru că ești un penal contact. Valbas la reputação de Deus determina o sucesso. The God is reputação determines your success. Bem-vindo, Senhor. Beloved the Lord. Se há qualquer coisa que é importante na vida de uma pessoa. If there is something which is very important in people's life. Eu falei logo mais cedo, irmão. I will speak surely and I will explain. Essa mensagem eu devia meter sala na mídia, eu mesmo meter sala na mídia. And it's a good message I'll put it in media. Eu vou para rápido, eu vou para longo. I'm not rushing. Afinal de todo mundo que me segue me comprova que atenção. I want you to understand me. Les gens qui me suivent aussi à travers les médias qui me suivent. Je parle de la réputation de Dieu. Determine ton succès. La première chose, la première préoccupation de Dieu. The fourth thing which is God's preoccupation. Ce n'est pas le salut. Worries is not salvation. Amen, Église. Christ est mort sur la croix. Christ is down on the cross. La première chose, la raison pour laquelle il est mort sur la croix. The reason why he died on the cross. C'est pas pour sauver l'homme. It wasn't to save the man. C'est pour protéger la réputation de Dieu. It was to protect God's reputation. Beaucoup de gens ont abandonné l'église. Now people have abandoned church. Parce que leur réputation était atteinte. Just because their reputation has been touched. La plupart des gens qui fuient l'église. Many people don't survive. C'est à cause de la réputation. It's all about the reputation. Alléluia. Yeah. La réputation. The reputation. C'est la preuve qu'on a parlé mal de lui à l'église. Just because they speak and they left the church. Les études révèlent que plus ou moins 85% des gens qui ont de la réputation. Almost 85% of the believers they abandon churches. Alors, je me suis posé beaucoup de questions. I asked myself. Est-ce que Dieu aussi peut être concerné de sa réputation? Can God be concerned with his reputation? Alors, tu auras la réponse aujourd'hui. You have the answer today. Dieu est plus concerné de sa réputation. God is so much concerned about it. Et Dieu travaille jour et nuit pour maintenir sa réputation. And he's working days and nights for him to keep his reputation. Alléluia. Et un homme qui se respecte, and a man who respects himself. C'est la personne qui fait tout son mieux à tout moment. It's always a person who tries pour maintenir sa réputation. To maintain his reputation. Que les gens puissent respecter. That people may respect. La réputation signifie quoi? Reputation. La réputation signifie la gloire. It just means the glory of God. Ou la gloire de Dieu. The glory of God. Quand on parle mal de toi. When you speak badly about you. Quand tu apprends ton histoire, que tu as dit à quelqu'un. When you heard. Et t'as envie de raconter partout. Somebody talking to you. You never have the courage to confront because your reputation has been exposed. Hallelujah, Jesus. Amen. 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 Just cherche d'abord sa réputation. Firstly, God is seeking for his reputation. Jésus pour laquelle? That's why. Adam and Eve. Adam and Eve. Quand ils ont mangé le fruit dans le jardin de Dieu. When they had the fruit in the garden. La Bible dit qu'ils étaient restés nus les deux. The Bible says they were naked. Écoute une chose. Listen one. Maintenant ils sont nus. Now they were naked. Mais ils ne sont pas concernés. But they were not concerned. Ils avaient des animaux. They were having animals. Qui avait la peau? Who has a skin? Ils pouvaient tuer l'animal. They could kill an animal. Prendre la peau. And take the skin. Couvrir l'air de Dieu. Cover your own naked. Parce que jusque là. Because they were naked. Ils se sont servis de feu. They uses which was right. Mais quelque chose est arrivé. As something happened. La Bible dit. The Bible says. Dieu lui-même. God himself. Il a tué l'animal. He killed the animal. Pour couvrir leur nudité. Cover their nakedness. C'est-à-dire quoi? What is that? Dieu ne couvrait pas leur nudité. He covered their nakedness. Mais Dieu protégeait sa réputation. God was protecting. Parce que cette personne était l'image de Dieu. Because this man was the image of God. Quand on le voit nu. C'est la réputation de Dieu qui est à terre. God's reputation which has been touched. Est-ce que quelqu'un a envie de comprendre ça? Somebody understand you. Amen, Église. Amen. Alors tout ce que Dieu peut faire. All what God prefers. C'est pour protéger sa réputation. Is to protect his reputation. Avant que je puisse aller plus loin. Before I go further. Nous voulons parler sur la vie d'Isaac. I want to speak about Isaac's life. Qui est Isaac dans la Bible? Who is Isaac in the Bible? Isaac dans la Bible. Isaac in the Bible. Parmi les patriarches, les trois patriarches. Among the patriarchs in the Bible. C'est la seule personne. Is the only man. Qui a une vie. Who is alive? Ressemblable à Jésus. Which is alive to Jesus. Quand Dieu t'a parlé à Moïse. When God appeared to Moses. Dieu a parlé sur le Dieu d'Abraham. God spoke about God. Le Dieu d'Isaac. God of Isaac. Le Dieu de Jacob m'a envoyé. God of Jacob has sent me. Parmi ces trois patriarches ici dans la Bible. Among the three patriarchs. Parmi les trois patriarches. Among the three patriarchs. La personne qui a la ressemblance de Jésus. The man who has. Qui a le trait de Jésus. Is likeness. Ce n'est pas Abraham. It's not Abraham. Il a ressemblé Jésus, mais pas comme les autres. He was aligned, c'est même pas Jacob. But not like Jacob. C'est Isaac. It's just Isaac. C'est pourquoi j'ai pris tout mon temps pour méditer sur la vie de cette personne. To meditate on the life. Parce qu'il a la ressemblance.
the likeness of Abraham. Plus que Jacob même. Than Abraham's father, more than Jacob. There are many details. If I speak of details, le fils de son père, the only son of his father, la seule personne. The only man. Qu'on a trouvé la femme par commission. And they find the woman by commission. Dans la maison. On a envoyé quelqu'un pour trouver la femme. Sent somebody to find the woman. C'est le nom de Jésus Christ. The image of Jesus. J'ai envoyé le Saint-Esprit pour trouver la femme. Sent the Holy Spirit to find the woman. Et quand la femme venait, se sont rencontrés à Foué, dit à Foué. La femme venait de chez elle. The woman venait de sa maison. Ils se sont rencontrés à Saint-Esprit. Que tout le monde connaît. From this place and then it's halfway. Yeah, ça signifie que le retour de Jésus. Which means that the return of Jesus. Nous allons nous dans les airs. Il y a so many, many. Et Abraham lui-même c'est l'image de And Abraham is the image of. Et le Saint-Esprit c'est l'image de Jacob. And the Holy Spirit is the image of Jacob. Quoi l'image de Jacob? Parce que Jacob peut se déplacer pour aller chercher une femme. Jacob, il went somewhere seeking for. Il n'avait même pas une seule femme, il avait plusieurs femmes. He never had one wife. He had many. Et il a ramené la femme dans la maison de son père. And he brought the wife in the house of his father. Donc c'est vraiment c'est une longue histoire. It's a very long story. Alors c'est pourquoi j'ai pris tout mon temps. That's why I took my pour méditer. To meditate. Comprendre. Understand. L'histoire de cet homme. The story of. La Bible dit. Isaac était un héritier. Isaac was héritier signifie quoi? The one to inherit. La raison pour laquelle on avait chassé Ismaël. The reason why Israel was Ishmael was because of the heritage. Just because of the inheritance. C'est-à-dire on voulait que lui seul puisse bénéficier le bien de son père. They wanted Isaac to benefit from the good of his father. On ne voulait pas qu'il puisse partager. On voulait pas que Isaac puisse partager. L'héritage de son frère, son père avec son frère. She didn't want Isaac to share the wealth of his father. Mais le Seigneur Abraham était un homme qui était riche. Abraham was a very rich man. La Bible dit. The Bible says. Une seule personne. One man. Il avait combattu cinq rois. Fought five. Et il a mené le butin de chaque roi. And he brought all the wealth of all the kings. Dans sa maison. In his house. Parce qu'il avait le butin de cinq pays. Et à part la bénédiction que Dieu lui avait donnée, upon the benediction which God has given, et la bénédiction des cinq rois, the blessings of the five kings, les richesses des cinq pays, des cinq royaumes, but he's seeking for the five kingdoms in his house. Mais la Bible dit ceci. The Bible says, Abraham était mort. Abraham died. Il a laissé son héritage à son enfant Isaac. He left his inheritance to the son Isaac. Alléluia. Amen. Isaac a continué sa vie. Isaac continue with. Il a continué sa vie. He continued. Il a eu la femme que nous le savons tous. And the wife, as we know. Et il a eu les enfants. And the children. The twins. Twins. Mais écoute une chose, mesdames. Listen one thing. Dieu voulait sa gloire. God wanted his glory. Dieu voulait sa réputation. God wanted his reputation. Dans la vie de cet enfant. In the life of this child. Comment Dieu voulait sa réputation, sa gloire dans la vie de l'enfant? How could God need the reputation in the life of his son? Dieu devait faire quelque chose. God was supposed to do something. Aussi longtemps cet enfant-là, as long as the child, il possédait les richesses de son père. When possessing the inheritance, il était à l'aise. He was so. Il était bénéficiaire. He was the bénéficiaire. Il était hérité. He was the that. Aussi longtemps qu'il n'avait pas vu la main de Dieu dans sa vie. As long as he never seen the hand of God in his life. Cet enfant serait le plus malheureux. This child will be what. Il n'aura pas d'histoire avec Dieu. Unfortunate one. Dieu voulait créer une histoire avec lui. God wanted to create a story. Dieu voulait faire quelque chose dans sa vie. God wanted to do something. Il voulait créer une autre vie. Wanted to create another life. C'est pourquoi la Bible dit ceci. Dieu avait envoyé une famille. God sent a family. Dans le temps d'Abraham. Comme jamais. As never before. Pourquoi Dieu avait envoyé la famille? God sent a family. Pour que tout ce que le père, son père avait laissé comme héritage. So for what the father has left as inheritance. Qu'il mange cela. He shall eat. Qu'il termine cela. He shall finish it. Qu'il reste pauvre à zéro. He shall stay poor forever. Et les gens se moquent de lui. And people mock him. Effectivement. And really. La Bible dit. The Bible says. Comme le bien-aimé allait là-bas. Il y avait une grande famille. It was a great family. Tout ce que Abraham avait. Whatever Abraham. Tout ce qu'avait laissé Isaac. Whatever. La Bible dit. Complètement terminé. All things were finished. Et il est resté vide. And it was empty. Il n'y avait plus rien. Without nothing. Alléluia. Il n'avait plus rien avec. Pourquoi Dieu a occasionné ça? What did God did that? Parce que Dieu voulait commencer une nouvelle vie avec. Because God wanted to begin a new life with him. Nobody understands. Nobody comprends. Je pense que je suis en train de me parler. Alléluia.
Dieu a tout terminé. And God finished all. Dieu a tout terminé. Là il avait l'espérance de vivre. When there was experience. Là il avait l'espérance que non, mon avenir a une garantie. My future. Dieu a permis. God allowed. Que la famille vienne. Que cet homme ici, il reste membre de lui. Will stay at the end. Il va s'aimer. He will sow. Il n'y a rien dans son pays. About nothing in his country. La Bible dit ceci. And the Bible says. Il a décidé. And he decided. Qu'à partir d'aujourd'hui, from today, je vais aller en Égypte. I'm going to Egypt. Pour aller chercher la vie. To seek life. C'est comme tu es venu sur l'Afrique du Sud. The same way you came to South. Parce que tu sais que l'Afrique du Sud est mieux que ton pays. Because you know that South Africa is better than you. Okay. Les hommes pour lesquels tu es ici. By economic health. I speak to this. That's why you hear the Bible. Le Seigneur lui a parlé par les hommes. God appeared to him through the Dieu lui a dit ceci. God spoke to him. Ne descend pas en Égypte. Thank God to Egypt. Écoute bien. Ne descend pas en Égypte. Do not go to Egypt. Demeure dans le pays que je te dirai. Stay to the country. Demeure à Gerar dans le pays des Philistins. Into Gerar, which is in Babylon. Alors toutes les promesses que j'ai donné à ton père. Je vais accomplir ça dans ta vie. I will fulfill it in your life. Amen, église. Amen. Toutes les promesses. All the promises. Que j'ai. Prononcé tous les serments, toutes les liens que j'ai fait avec Abraham ton père, moi je vais accomplir pour tenir serment promesse. Mais seulement, ne va pas à l'Égypte. Only you do not go dans le pays de Philistins. In the land of the Philistines. Une seule condition. One condition. Amen. Amen. Bien dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Google révèle que le monde a plus ou moins 7 milliards et 4 millions d'habitants. The Google has told that the world has 7 billion of people. Et aucune personne dans le monde, je vous dis ça, c'est la parole de Saint Google. Aucune personne est venue parler dans le monde. And there's nobody, this is the word of God, nobody came by. Même si on avait violé une personne, even somebody, dès que la personne sort, il n'est pas venu parler. This person, même si une personne n'est pas mariée, il a eu l'enfant par accident. Cette personne ne vient pas parler. C'était dans le plan du Seigneur, amen. C'était dans le plan de Dieu. Et la Bible dit ceci. Le plan que Dieu a pour nous, c'est pas un plan de malheur. Il y a un plan merveilleux pour ta vie. It's not the unfortunate plan. On peut dire amen. J'ai un plan merveilleux pour ta vie. God has a good plan for your life. J'ai un plan merveilleux pour ta vie. God has a marvelous plan. Il ne t'a pas envoyé pour te faire souffrir. Never send you to this world. Faut jamais croire à cela. Never believe in that. Je n'ai jamais cru à cela. I never believe in that. Dieu t'a envoyé à la prospérité. God sent you for prosperity. Dieu t'a jamais envoyé pour être cowboy, pour être. God never sent you to be a cowboy. C'est un plan merveilleux. He has a wonderful plan. Dieu planifie pour toi. God has a plan for you. Maintenant la réussite. But the success. Dépend de toi. Depend on you. Dieu planifie pour toi. God is planning for you. Mais la réussite. But success. Entre tes mains. Is in your hand. Pourquoi je dis cela? Why do I say that? Un prédicateur a dit. The preacher said. Dieu commande. Dieu termine une chose après il commence. They say God finish something then he begins. Dieu termine d'abord après il commence. Finish. Ta vie a été déjà préparée par Dieu. And being to the Dieu a déjà écrit ta vie sur quelque part. Dieu a terminé. God has done. Il a dit dans sa vie. And one, two, three dans sa vie. Il sera un Dieu. Et Dieu a fermé le livre. Maintenant il a déjà conclu ta vie. Maintenant il commence maintenant ta vie. Dieu n'a jamais envoyé quelqu'un dans le monde pour souffrir. Dieu a envoyé quelqu'un dans le monde pour avoir une vie heureuse. Pour avoir une vie distincte. Pourquoi? Parce que si ça ne tient pas dans ta vie, c'est la réputation de Dieu qui est touchée. His God is a reputation which has been touched. Alléluia, dis. Si ça ne marche pas dans ta vie, c'est la réputation de Dieu. God is a reputation which has been touched. Je vais vous dire quelque chose. I'll tell you something. Il y a quelqu'un dans la Bible qu'on appelait Caïn. Caïn n'est pas mort seulement. Caïn n'est pas maudit par mal seulement parce qu'il a tué son frère Abraham. Caïn died just because he was not a curse because he killed his brother. Caïn était maudit. He was cursed. Parce que il avait touché à la réputation de Dieu. Because he touches God's reputation. Pourquoi? Why? Quand il avait tué son frère, Dieu le savait. Mais le Seigneur vient lui poser la question. Caïn, où es-tu? Et Caïn répond quoi? Qui m'a établi gardien? Écoute la réponse. Qui m'a établi gardien de mon frère? Non. Dieu n'est pas venu pour blâmer, il n'a pas commencé à dire, mais hey, Dieu, est-ce que tu dis que tu dis son frère? Je ne sais pas à blâmer Caïn, à dire que non, quand tu as fait ça.
Dieu commence par une question. Tu as commencé. Il a témoigné. Mais Dieu commence par une question. Pourquoi tu as fait ça? Pourquoi Dieu a posé la question? C'est pour voir la réaction de la personne. Sa réponse. Va déterminer sa succès. Alléluia. Mais il a touché à la réputation de Dieu. C'est pourquoi son succès a été brisé en un petit. C'est la réponse là qu'il a donnée. Même moi, là, au bout de l'autre. Imaginez, il va te poser, tu vas te redonner cette réponse. Qui m'a établi? Comment tu vas sentir? Le policier, le créateur. Toi, une poussière. Tu vas donner une réponse au Seigneur. Giving the such answer to the Lord. C'est pourquoi il était maudit. That's why you are. Parce qu'il avait touché à la réputation de Dieu. Comme dit, la réputation de Dieu va déterminer ton succès. David aussi avait tué comme Caïn. Your future. David aussi. La Bible dit. Il avait tué. Un militaire. Comme Caïn exactement. As Cain. Dieu avait envoyé le prophète. God sent the prophet. De la même manière. The same way. Le prophète est venu. Il a commencé d'abord à donner une parabole. Il n'est pas venu avec la condamnation. Dieu ne viendra jamais avec la condamnation dans le temps de la faiblesse. Dieu viendra d'abord avec une question. Oh, personne ne comprend. Amen. Le prophète vient avec la parabole. The prophet comes with a parable. Il parle à David. They speak to David. Quand on a dit que cet homme, c'est toi, David. When they said the man is you, David. La réaction de David, c'était quoi? David's reaction. L'humilité. Son humilité a déterminé sa réputation. Il avait tué comme Caïn. Pourquoi? Parce qu'il a épargné la réputation de Dieu. Quand la réputation de Dieu est épargnée, maintenant c'est le succès dans la vie. Then it's success in your life. Amen. Somebody understand what I'm saying? Alléluia. Amen. Nous parlons aussi de Saul. Are we speaking of Saul? Saul qu'on appelle Paul. Saul, they call Paul. Cet homme était un criminel. Il était assassin. Nous savons qu'il avait exterminé les gens. Il avait tué beaucoup de gens dans sa vie. Mais c'est sur le chemin de Damas. Il a fait le plan dans sa tête. Je vais faire la même chose. J'ai l'habitude de faire. Alléluia. Il partait pour aller voir, pour exécuter, tuer les gens. Mais même que Dieu dit ceci, Dieu lui est à Paris. Quand le Seigneur lui est à Paris, le Seigneur lui a dit une chose. Paul, Paul, Dieu n'est pas venu avec la condamnation. Dieu est venu d'abord pour voir quelle sera la réaction de la personne. Envers ma réputation. Amen. Bien, travaille pour la réputation de Dieu. Faut jamais travailler pour ton salut. Dieu travaille pour ton salut. Toi, travaille pour la réputation de Dieu. Dieu a posé la question. Pourquoi me persécutes-tu? Why are you persecuting me? Bien aimé dans le Seigneur. Beloved in the Lord. Quand tu ouvres la Bible, when you open the Bible, la réaction de Paul c'est quoi? Paul's reaction. Première question. The first question. Qui es-tu? Who are you? Virgile. Seigneur, there's a commander. Attends, qui va m'établir le docteur de la parole? Who can establish me the doctor of the word? Amen. Écoute une chose. La réplique de Paul. Ah, il dit, Paul is Seigneur. Lord. Non, il a dit, qui es-tu? Who are you? Virgile. A commander. Seigneur. Lord. Qui es-tu? Who are you? Qui est celui qui me pose cette question? Who is the person? Qui est celui qui me condamne? Après, il n'est pas terminé là-bas. Donc, le Virgile vient après. Qui es-tu en premier Virgile? Après, il a posé que c'est le Seigneur. Then he asked the question, is it the Lord? Le Seigneur dit, oui, effectivement, c'est moi. Je suis le Nazareth que tu parles de qui? Jesus. Après, le Seigneur, mais qu'est-ce qu'il va faire maintenant? Alléluia. Il n'a pas touché à la réputation de Dieu. He didn't touch to God's reputation. C'est pourquoi Dieu lui a donné le propre pouvoir. That's why God is promoted. Alléluia, bien aimé. Dieu n'aime jamais que sa réputation soit atteinte. God never wanted his reputation to be done. Shadrach, Abednego. La Bible dit ceci. Ils étaient jetés dans la fournaise en flammes. Pourquoi Dieu les avait délivrés? Ce n'est pas leur sainteté. Not for their holiness. Ce n'est pas leur persévérance. Not their perseverance. Ce n'est pas leur sanctification. Not according to what's called. À cause de la face du roi Nabucodonosor. In the presence of the king. Il a dit une chose. Je vais vous jeter dans la fournaise en flammes. Throwing in the fire. Les gens qui vont vous délivrer de mes mains. See what kind of a God. Si
compost. Tiens le téléphone ici, donne moi ta tablette. Can I have a tablet? Don't give me a tablet. Somebody with a tablet. People, give me a tablet. Tablet. Give me a tablet. Tablet. Yeah, glory to the Lord. Hallelujah. Le jour que notre sœur Nicolette, at the day our sister Nicolette, acheté cet appareil ici, bought this phone. C'était dans les cartons. It was in the box. La personne qui a fait cet appareil, the person who made the box, il a testé l'appareil. He tested it. Et il s'est assuré. And that he made sure que cet appareil, that this phone, partout ça ira. Wherever it's called, c'est pour donner un succès. To give a success. Pour donner un apport positif. And to give a positive. Dans le but de l'utilisateur. Also to the user. Les personnes qui fabriquent cette histoire, persons, ne sont pas insensées. Quand il fabrique ça d'abord, avant de lancer cela, il va rester avec l'appareil pendant 10 ans, 5 ans. Il va prendre le chargeur. Il va charger ça pendant une heure du temps. Il regarde la réaction. Il charge ça pendant 10 heures du temps. Il charge ça pendant 24 heures. Il charge ça pendant 8 heures. Après, il arrive à la conclusion. Il comprend que son appareil, quand il charge ça pendant la batterie pendant une heure du temps, maintenant l'appareil ne va pas rester longtemps avec la charge. Amen. Il pense sur l'appareil. Il fait sciemment, il jette sur la terre. Il regarde la réaction. Quelles sont les choses qui vont se dédommager à l'intérieur? Après maintenant, that, il prend tout son temps à prendre, à faire les études sérieuses pour faire l'appareil. Un téléphone comme ça. Le nom de cet appareil, c'est quoi? What's the name of this one? Smartphone, yeah. Smartphone. They give me the name smartphone. Smartphone, ce n'est pas le nom de téléphone seulement. C'est le nom de l'entreprise. L'entreprise s'appelle smartphone. Et l'entreprise, qu'est-ce qu'il va faire? Le fabricant, après avoir terminé à fabriquer l'appareil, il prend cet appareil. Il met ça dans la boîte. Il prend le manuel qu'on appelle le catalogue. Il met ça au-dessus de l'appareil. L'appareil est caché là-bas. Il prend le catalogue. Il met au-dessus. Maintenant, quand tu vas acheter l'appareil, la première page du catalogue, on ne met pas. Pourquoi pas tu as tes appareils en colonne? On met l'appareil en bas. On met le catalogue là-dessus. Et on te dit, read carefully before you use this product. On te dira, il faut lire attentivement avant d'utiliser le produit. La première page, on montre l'image de l'appareil. The first page, will show you the image. Deuxième page, on te donne toutes les promesses. Que l'appareil peut faire dans ta vie. On donne toutes les promesses, cet appareil. God Skype inside, God Facebook inside. Il y a quelqu'un qui me faisait rire une fois passée. Somebody was making me read. Un théâtre. Une personne allait acheter l'appareil comme ça. C'était dans une pochette. Une sœur lui va dire non, je suis, j'ai lu que somebody can please buy this phone. Somebody came and said, est-ce que tu peux acheter? C'est sorry. Oh non, entre toi, il me dit 500 euros. Pourquoi ça? Enlève la pochette, ça va rester combien? Tu enlèves, si tu enlèves, ça va arriver. Donne-moi 80 dollars. Si tu enlèves, le couverture combien? Pourquoi tu me suggères? Non, tu sais, this phone is Skype. Il y a Facebook inside, il y a WhatsApp. Il y a le Facebook, il y a le WhatsApp. Facebook. If you remove Skype, so that this is to WhatsApp, so not tell me what I'm going to say. Give me a comment for that. I don't know. WhatsApp or on Facebook or on Skype. The main thing. I know. I need to talk for call. The person said, I will call and say, the fire is a pen. No, I left some. C'est bien quoi? L'appareil est complet. Ça fait beaucoup de choses. Après, on a moins de l'eau, on va installer ça. Even though they take something, they can install it. Mais le manufacturer ou bien le fabricant met l'appareil. The manufacturer of the company. Dans un emballage. On te donne l'appareil, on te donne le téléphone. Give it to you, they give you a phone. Quand tu vas lire ici. At the reading. À l'intérieur. Inside. On dit ceci. Cet appareil va t'aider. Will help. Pour connecter avec Skype. Will help you to Skype. L'appareil va t'aider. Will help you. Pour ceci. Pour cela. Maintenant, deuxième dernière page. On te donne les précautions. They will give precautions. Precautions. Yes. On donne la loi maintenant. And they will give you laws. La loi qu'on donne, c'est quoi? What's on dit cet appareil ici. Say, il ne faut jamais charger ça pendant une heure du temps.
You have a charge it over 1 hour. Cet appareil ici, this cell phone, il faut pas exposer ça sous la température de 40 degrés. It into the, to the sun. So il faut pas opérer dans cet appareil dans l'eau. Don't throw it in the water. Si tu as besoin de cet appareil pour vivre longtemps, cell phone to live. Tu dois respecter les lois qui sont décrites dans cette boucle ici. In the catalogue. La plupart de nous ne lisent même pas. Cela sera pareil à part. Some of us are not even read, just take the cell phone. How many can you, how many finish to read that manual? Bien, on lit le catalogue. The manual means what? Manuel signifie catalogue, la pensée. Man signifie man. C'est un mot manual. Man and Noel means intellect. Et quelqu'un a mis sa pensée, il a mis ça dans le phone. Il a pris son intelligence, il a mis ça dans l'appareil. Après, il t'a donné pour que tu commences à l'utiliser. Maintenant, il y a ce qu'on appelle l'internet, qu'on appelle garantie ou warranty. There is what they call guarantee and warranty. Warranty signifie quoi? Warranty signifie. Si il y a par exemple une erreur de fabrication, if there's something a mistake on the making, amène l'appareil là où tu as acheté cela. Bring the cell phone where you bought it from. Maintenant, quand tu vas amener ça, after bringing, nous allons réparer ça. You fix it. Dans nos propres faits. With our own. Donc, on va te renvoyer cela à la maison. We'll send it back to you. Maintenant, on ne va pas remplacer l'appareil. The one replaced the cell. Et il y a ce qu'on appelle la garantie. You what we call garantie signifie quoi? Guarantee means. Si on ne peut pas réparer l'appareil, they cannot fix it. On va remplacer l'appareil. On va te donner un nouvel appareil. They will replace the cell phone with another cell phone. Allez, église. Quelqu'un comprend? Yeah. On dit que c'est la garantie, ceci. C'est la garantie. Si on ne peut pas réparer l'appareil, if we cannot fix, on va remplacer ça. We can, on te donnera un autre cellulaire. With another cellular. For free. Tu ne vas rien dépenser. You spend nothing. Tu ne vas pas acheter pour la deuxième fois. Tu ne vas rien acheter. Nous allons réparer ça à nos propres frais. Fix it with our own cost. On va te redonner ça à nos propres frais. We'll give it back to you with our own cost. Mais ces gens qui te donnent toutes les promesses, and all those are giving you the promise, ils ne te connaissent pas. He doesn't even know. Ils ne t'ont jamais vu. Never seen you before. Doesn't mean that they like you. C'est pas, doesn't mean that they love you so much. It or aimé, non, ils ne te connaissent même pas. La personne te connaît. Tout ce qu'ils font, c'est quoi? What they do, c'est protéger leur réputation. La réputation, c'est quoi? C'est le nom des smartphones. La réputation est dans les cellulaires. Ils doivent s'assurer que cet appareil, là où il va, ça doit être produit, donné de bonne réputation pour protéger leur entreprise. Somebody understand? Amen. Si l'appareil échoue, The cell phone, the cellular phone. Toute la réputation de l'entreprise est complètement détruite par The reputation of the company. Parce que le smartphone, c'est leur image. Cet appareil, partout ça va marcher, ça représente l'image de l'entreprise. Si l'entreprise échoue, si l'appareil échoue, c'est toute l'entreprise qui est complètement échouée. Amen, église. Amen. Vous comprenez bien ça? Pour, on va te réparer ça pour for free. On te donne ton église. Ils ont like you. Ils ont déjà reçu. Ils font ça pour la réputation de leur compagnie. De leur nom. Amen, église. Amen. Ils protègent quoi? La réputation. Their reputation. Amen. Amen. Ça signifie quoi? Bien aimé dans le Seigneur. Love the Lord. Tu t'es créé à son image. God has created you on his image. Alors quand tu t'es créé, quand tu t'es envoyé dans le monde, ce n'est pas pour échouer. Parce que si tu échoues, ça touche à la réputation de Dieu lui-même. Tout ce que tu fais dans ta vie, c'est pour épargner sa réputation. Tu sauves la réputation. Tout ce que tu peux faire, c'est pour que il est sûr. What you do, tu ne choues pas. You shall not fail. Pourquoi? Parce que ton échec, ça touche à la réputation de Dieu. Parce que c'est son image en toi. C'est pourquoi dans des maisons, des gens qui ont beaucoup d'argent. That's why in the life of those who have got money. Si ils ont un enfant qui est curieux, qui aime, on dit qu'ils aiment. Ou a child who is disabled. Cet enfant-là, on va chercher quelqu'un. They'll seek for someone. On va lui donner son titre. Les instructions simples. The instruction which are very severe. Make sure. Mon enfant est bien là-dedans. Make sure the child does not go outside. Famille là-bas dans le design. On cherche une personne pour faire une ligne pour maman. On ne veut que l'enfant puisse sortir dehors. For the child not to go outside. Amen. Pourquoi? Why? Il veut s'assurer. They want to make sure que l'enfant reste là. That the child dans la maison. Pourquoi?
On aime pas d'enfants sort dehors. Parce qu'il va raconter des histoires. On va voir l'enfant et les tueurs. Quand l'enfant va sortir là-bas, c'est la réputation des familles qui attendent là. Les cas qui abîmés. On fait ça pour protéger la réputation de la famille. Amen, l'église. On protège la réputation de la famille. C'est pour on envoie une personne. Pour travailler pour cet enfant. Amen. C'est pourquoi ce matin, Dieu te dit une chose. Dieu te dit, si tu as recommandé d'étudier, fais tes études. Parce que il est déjà qualifié, il a arrêté. Il est sûr et certain que tu vas réussir dans les études. Et ne regarde pas tes moyens. Parce que ton échec va toucher à la réputation de Dieu. Je crois qu'on va acclamer. Je voudrais que tu me comprennes. Je vous donne l'exemple de Goliath. I'll give you an example of David. 1 Samuel chapitre 17. Goliath n'a jamais insulté Dieu. Never insulted God. J'ai lu la Bible. J'ai lu encore la Bible. I read it again. Aucun passage. There is no way. Quand Goliath sortait, when Goliath was pour défier l'ordre de l'Éternel, il n'avait jamais insulté l'ordre. Never insulted the name of the Lord. On peut lire ça avec nous ensemble, si vous êtes d'accord. On n'a pas le temps. Il n'a jamais insulté l'armée de l'Éternel. Il a dit, vous êtes esclaves de Saoul. Il n'a pas parlé de l'Éternel. Il n'a jamais mis mention au nom de Dieu. Il a dit, donne-moi seulement une personne. Donne-moi seulement une personne. Mais David plein de révélations. Alléluia. Quand il est sorti, pour faire face à Goliath, écoutez une chose. Il a dit ceci. Je vais. On peut lire ça. We can read it. 1 Samuel chapitre 17. First Samuel chapitre 17. Verset 8. Quelqu'un peut nous lire rapidement. Pas de roja, read 1 Samuel chapitre 17. Verset 8. Comme ça, on va comprendre. Pas de roja, va nous lire 17 à 45. 1 Samuel 17. First Samuel 17. On lui dit, bon, là, suivez exactement, suivez attentivement ce que vous avez déclaré. L'année Papa Oscar, tu vas lire 45. Lui dis bien. Toi, n'as pas la fin de comme en Zambé. Tout le monde a le côté de la victoire. Mais le côté de ma stratégie, la victoire. 1 Samuel, chapitre 17. Yeah. Verset 8. Verset 8. Yeah. Disons. Le Philistin s'arrêta et s'adressa aux troupes d'Israël rangées en bataille. Et... Le Philistin s'arrêta et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria, pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas des esclaves de Saül? Voilà, il a dit que vous êtes esclaves de Dieu. Écoutez, il a dit quoi? N'est-ce pas vous êtes esclaves de qui? Alors, jusqu'à là, vous avez gagné le fil. On a dit au fil de la carte. Non, défis seulement. Challenge. Let's go. Choisissez un homme qui descende contre moi. Alléluia. S'il peut me battre et qu'il me tue, nous vous serons assujettis. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, vous nous serez assujettis et vous nous servirez. Le Philistin dit encore, voilà. Je jette en ce jour un défi, à l'armée d'Israël. Pas à l'armée de l'Éternel, mais à l'armée de qui? D'Israël. Voilà. Donnez-moi un homme, et nous nous battrons ensemble. Ensemble. Saül et tout Israël. Non, c'est pas normal. Ça c'est plus. Vous avez suivi la phrase de Saül de qui? You heard de Goliath. Are you together? Allez, Église. Pascal, mais on lit maintenant la réponse de David. I want you to read. Ça nous dans le verset 45. Verse 45. Qu'est-ce que David dit maintenant? Écoute une chose. What did David say? Oh, Jesus. 1 Samuel 17, 45. David dit au Philistin. Voilà. Tu marches contre moi avec l'épée. La lance et le javelot. Et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des armées, de Dieu, de l'armée d'Israël que tu as insulté. Reprenons encore, je marche au nom de Dieu des armées. Tu as fait quoi?
Tu as insulté. Voilà, mettez-vous maintenant. Mettez-vous maintenant. Alléluia. Ma camion pour la balle, mettez-vous pour la balle. Amen. Amen. Dieu. Blasphème, jamais insulté le nom de Dieu. When he started the name of God. Il va seulement fait que challenger. It challenge. Mais écoute une chose. Listen. David savait une chose. David knew one. C'est moi. That's me. J'ai besoin de la victoire. I need the victory. Mais pour que je puisse avoir la victoire. You have the victory. Pour que je puisse avoir la victoire. Je dois impliquer le nom de l'Éternel. Dans ce combat ici. Of the Lord in this battle. C'est quoi que David a dit ceci. That's what David said. Moi je marche. I am one. Contre toi. Au nom de l'Éternel. Il n'a pas hésité. Quand j'ai appris que sa réputation était à terre, j'ai dit, j'irai, je combattrai pour sauver Israël, pour sauver la réputation. C'est mon nom, alléluia. C'est ma réputation. Amen. And so far, I'm speaking alone. Juste là, je suis en train de parler. Amen, l'église. Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, Seigneur. Je donne toutes les garanties dans ta vie. Que tout ce que tu feras dans ta vie, oh, il n'y a aucune fois Dieu a planifié quelque chose pour échouer. Non. There's nothing God has planned. Parce que quand tu échoues dans ta vie, when you fail, sois ici. Be sure. Que c'est la réputation de Dieu qui est échouée. Dieu a tout déposé en toi. God has put. Dieu a tout déposé en toi. Yes, later. Ton avenir. Your future. Ton succès. Your success. C'est dans ça va déterminer ton succès. Mais là, Dieu l'a planifié. Il a tout arrêté. Il a tout brûlé. Il a tout fermé. Il a planifié. Il a réussi. Il a parlé. Il a envoyé. Il a dit cette personne-là. Il ne vient pas pour jouer. Il va pour réussir. Il va pour être la tête. Il va pour être la tête. It's going to be the head. Bien, mais la tête. Vous imaginez. Imagine. Que la Bible dit, la science dit. The Bible says, en toi, in you, c'est-à-dire quoi? What mean? Quand par exemple, when tu es marié, you are married, tu vas accoupler avec ta femme. You are going to have intimacy with your wife. L'esprit que Dieu a donné en toi, the sperms that God has given you, c'est pas pour une seule fois. For one, cela a la capacité de plus ou moins 12, c'est-à-dire 12% de la population du monde entier. This has 12% of the population in the world. 12%, donc yo mon Dieu, 12%, tu as les enfants. You have 12%. Tu relâches 12% de la population mondiale. You have the 12% of the population. 5 millions. Which is 5 billions. Qui sort en toi? Which comes out of you. Alléluia. Amen. Quand ça sort là-bas? Which is comes out. Les scientifiques disent ceci. The science. Ils font la course dans les ventres de leur maman. They say the father is. Ils font la course ensemble. The 5 millions. The 5. They are running a race inside. They are running a race. And God is watching. And the judge is going to regard. Steve, je suis parmi les seuls pasteurs.
pasteur. I'm the only pastor. Qui est resté dans cette église, dans cette église 10 ans avant. Who has remained in the church for? Puisque j'ai compris chose. Pour changer l'église ne va rien résoudre. But I never changed the church. No, Jesus Christ. Don't help me. May God help. Bien, changer l'église ne va jamais te. Changing churches will never. Il faut découvrir ton futur royaume. You have. Quand tu as créé la maison, Dieu a mis tout en toi. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Tu n'as pas besoin d'un fier. Tout est en toi. You don't need to enter. When the maker they make something, ils donnent la loi. They give laws. Bien aimé dans le Seigneur. Toute chose que Dieu a créée, all things God created, ça marche avec la loi. It works with law. Il n'y a aucune chose que Dieu a créée, nothing works. Ça marche sans loi. Without laws. Les poissons, even Dieu l'a dit. God has told. Si tu as besoin de prospérer, if you want to prosper, vivre longtemps, tu dois vivre dans l'eau. You shall live in the water. Tu ne verras jamais un poisson sortir de imiter l'oiseau. And you shall never see a fish. Parce que la forme de Dieu l'a donné, c'est pour vivre dans l'eau. Et ils vont vivre pour le him a lot to live in the world. God has told the bird that you shall fly in the air. C'est-à-dire la création qui ne respecte pas la loi de Dieu, c'est l'homme. Nous sommes oui, un problème pour God. Creatures with their own respect to God's laws and His laws. Ben, Livier. Quand Dieu te dit, reste ici, tu dois rester là. Ton succès va venir, c'est ça, on va se faire de l'église. C'est pas dans un prophète, c'est dans toi. La church is not for the church. Faut te découvrir toi-même. Respecter, c'est pas la loi. Non, même pas tes propres lois. You don't need to apply your laws. Mais obéissez-moi à la loi de Dieu. But apply God's laws. Nous, les gars, j'y mets. But you like Jews. But you buy a car. You know the car. My car. The car. Will only function. My voiture will function. Put petrol inside. Can you imagine the essence at the interior? I don't know where the garage is. Inside, I can put the jus. Imagine the car. The carburetor. I will put the jus. Tu commences à, tu mets le jus là-bas, tu commences à gêner. You put jus inside the car. Oh, on a des roues car. Oh, oh, je vais ramener les jus dans ma vie. I want to fix my car. My car. On coupe le jus, on le coupe. Fabricant le jus. Nous devons faire la naissance. Tu dois respecter la loi de fabricant. Il est arrivé pour te remercier. Non, tu es juste pour les marchés. C'est ce que nous faisons parfois. Nous voulons imposer Dieu la loi. Mais pourtant, c'est tout ça. C'est lui qui nous a imposé. Dieu qui nous parle. Amen. Amen. Tu ne peux jamais imposer l'Éternel. Les poissons respectent l'eau. The fish ne sort jamais dans l'eau. It never comes out. Amen. De parler va de mimer ses paroles. But if the wind blows in my heart, then he can come back. And I will fight so hard to go back. God will never do something to put His name on shame. Dieu ne fera jamais quelque chose pour mettre, pour faire la honte de son nom. Allez-y, église. Allez-y, une chose. The Bible says. Il y avait un enfant. There was a lamb. Né de naissance. It was born lame. Combien de temps vous m'avez donné? How many minutes to last with? 10 minutes, tu as tout simulé l'exacté. Amen. Un enfant né de naissance. A blind man. Amen. Un homme né de la veille de naissance. A man was born blind. La Bible dit, Bible says, Jésus, en passant, by walking, il était seul passé avec les disciples, avec la foule. With the disciple, with the crowd. Dans Jean chapitre 9, la Bible dit, qui a vu les premiers aveugles? Pas les disciples. Pas même la foule. La Bible dit, Jésus vit en passant un aveugle. Mais c'est ça. By passing a blind man. Mais pourquoi ma majorité ne serait-ce que la moitié était? La majorité ne didn't see. Oh, Jesus Christ, help me here. La majorité n'a pas vu Jésus vit en passant. Et il m'a jamais vu la foule déjà. And was born. Les disciples l'ont vu. And the disciples saw. Ils se sont dit. They said, Seigneur, Lord, qui a péché? Who has sinned? Pour que cet homme soit né gavé. Ce sont ses parents. Ou encore quoi? Ou encore lui-même. Or either himself. Le Seigneur lui dit. The Lord answered. Ce n'est ni ses parents. Ni lui-même qui a péché. Either the man. Mais afin que la réputation de Dieu est soit manifestée dans sa vie. Nous t'en souhaitons nous parler. Amen. Jesus. Listen, church. Cette personne, pourquoi il a vu? Why? Jesus saw the man. Pourquoi? Why? Parce qu'il était aveugle. Because it was a blind. Au son d'être aveugle. As long as you are. Jésus parle de lui. Jesus Christ. Il s'appelle lui-même le Messie. He called himself the Messiah. Il s'appelle lui-même Dieu. He called himself God. Mais Dieu, on t'a honte, c'est pour qui?
Seigneur. Why? Cet homme est né avec lui. This man was born blind. Cet homme est né avec lui. Cet homme est né avec lui. Cet homme est né avec lui. Put his face down. Hallelujah. Écoute une chose, bien-aimé. Listen to one thing. Don't know if somebody understands what I'm trying to say. Ah, je sais pas si quelqu'un comprend de quoi je parle. La Bible dit ceci. Now the Bible says. Imaginez une personne avec lui. Imagine a black man. Innocent. Dieu garde une personne, un grand garçon innocent toute la vie. A great man, innocent as life. Qui n'a jamais péché? Never seen before. Non, il a péché, mais la péché naturelle, ça dit quoi? Ça dit, cet aveuglement n'a rien à voir avec ce péché. N'a rien à voir avec le péché de cet aveugle. Ça n'a rien à voir avec tout ce monde-là. Tout rien à voir, rien à voir. Mais un malin a souffert avec l'aveugle, avec l'aveugle. I wanted him to be blind. For nothing. Just for rien. Souffrir. Suffer. Voir une bonne femme. Jamais! You are a fake, you are a fake. What would this friend man wear, man? I'm telling you. Mais pas faire un job! Mais pas travailler! Not having a job! Pendant des années! For years and years! Non, soit pourquoi? Or why? Pour que le Seigneur fasse quelque chose! For the God! Réputation à vous, mon Dieu! Et qu'elle ne vous égare! That's what I'm saying, to go further! Alléluia! Et que flippe contre tout ça! The Father doesn't want the people to start with reputation! Écoute une chose. Listen one. C'est le passage que j'aime ici. But the passage is on. C'est même trop passage que j'aime dans ce passage. Si on a mis dans la conclusion. Première conclusion de quoi? The first conclusion. Hey. First. Jésus était la première personne à le voir. Jesus Christ was the first man to see. Deuxième c'est quoi? Secondly. Jésus lui a dit. He said. Va te laver dans le Siloé. Go and bathe in the Siloé. Après ce que tu vas pas te accompagner avec quelqu'un dans ce royaume. He never sent the apostle to Kakabani. He said go. Il met la bouche dans ses yeux. Il porte la salle où il va. He said go. On a pas dit que non Pierre. Jean. Bartimée allait accompagner cet homme. Abid, allez! Après ce qu'il s'est dérangé, il s'est lavé le visage. Il a vu! La première chose, c'est quoi? Aller dans les quartiers là où on avait connu avec lui. Non, là où on avait connu comme avec lui. You were known as the blind. Il est parti là-bas. He went to the same area. Quand on l'a vu, ils disent, mais pas non! They said, it is no other man. C'est une longue histoire. Oh, it's a long story. Listen, listen. C'est pas la personne qu'on a connu avant. It's not the man that knew before. Oh, Jesus Christ. Oh, my Jesus. Deuxième chose, c'est quoi? Qu'est-ce que les gens ont dit en personne? Donne-nous gloire à Dieu. Give glory to God. Cet homme, c'est un péché. This man is a sinner. Donne-nous gloire à qui? À Dieu. Mais ce serait pour nous, puisque nous ne pouvons pas nous entendre. Jesus has said that for them to know. Jesus has said that for them to know. Jesus c'est pour la réputation de Dieu. It was just for God's reputation. Alléluia, Jésus. Amen. C'est pourquoi quand on est allé là-bas, that's where the word. Donne-nous gloire à Dieu. Give glory to God. Cet homme est un péché. This man is a sinner. Si un péché fait miracle, if the sinner was to fait miracle, why are they pas même? Why is the glory? Where the glory? Si quelqu'un chante la musique profane, la gloire va à Dieu ou au diable? Where is the glory going to? Au diable. Mais nous même dans nous, donne gloire à Dieu. Mais cet homme, hein, c'est un péché. Glory to God, but this man is a sinner. Alléluia. Troisième chose ici, que j'aime beaucoup. La Bible dit, quand Jésus a appris. Jesus learned. La personne était quoi? Elle était chassée. He found out that the man was chased away. Was cast out. Only quand Jésus est appris. So when Jesus que la personne était chassée. The man was chased away. Jésus l'appela. Jesus called the man. Donc jusque là la personne n'était pas encore sauvée. I'll tell them the man was. Ça va pas ça pour la gloire, hein? Pour sa réputation, il n'était pas encore sauvé. Mais là, donc, l'histoire il est juste là pour la parler. Il s'est converti. Amen. 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 Pourquoi? Christ voulait d'abord sauver la réputation. C'est pour te dire que Dieu couvre toute personne disant que ça m'a conduit la vie d'aller à Bible témoigner. Si tu fais quelque chose dans ma vie, c'est pour que toi tu puisses témoigner le nom de Dieu. C'est pour que je témoigne le nom de Dieu. On doit nous donner 10 minutes, 5 minutes ici d'appuyer. Comprends-tu? Amen. Dieu fait toutes choses pour sa réputation. Et quand la réputation de Dieu
reputation of success. Ça va, il est fait. Alors toi aussi tu auras tout le succès. You have your success. Amen. Amen. Les premières personnes. First man. Les deux premières personnes. Two first man. Qui seront jetées dans l'enfer. Will be thrown into what? Ce n'est pas le diable. To lake of fire, not the devil. Ce n'est pas le diable. Les deux premières personnes qui sont jetées dans l'enfer. Elle te dit c'est l'antichrist. Et le faux prophète. And the false prophet. Pourquoi? Why? C'est pas dans les courants qu'ils ont les blasphèmes, ils ont l'internet partout blasphème. Donc, ils ont les. Diable, il y a mon goût, tout. Azala blasphème, comment ça mettait dans tout, mais. Allez, mais c'est pas mon nom. Mettez les blasphèmes de l'internet partout, mais non. Il touche la réputation de Dieu. Amen. Alléluia. On rentre, c'est Isaac, j'ai 5 minutes, si je peux me donner le temps. Maintenant Isaac a compris une chose. Isaac avait compris une chose. Dieu lui a dit allez. Il est parti se refuser. La Bible dit. Il a semé. Quand il a semé, il a récolté les centimes. Les gens sont venus. On a commencé à l'envier. They start envying. Ils sont encore l'année prochaine. Alors il dit cet homme devient tellement riche fort. So much il va jusqu'au puits de son père. Le puits de son père a fait le sang. Le Philistin avait jeté le sang. Il put the fan. Il a recreusé encore. And, he has to dip it. Il a trouvé de l'eau à l'intérieur. Quand il a trouvé de l'eau à l'intérieur, maintenant il était devenu tellement riche. Il est devenu riche. Les dieux le bénissaient toujours. Sa prospérité, Dieu voulait épargner sa réputation. Dieu voulait qu'il soit riche. Qu'il soit béni. Si tu ne peux pas jouir de l'héritage de son frère, mais qu'il ne se réjouisse de l'héritage, la nouvelle vie que Dieu a commencé avec lui, pour que tu t'envoies un témoignage, qu'il sache que ils savent de vous. Alléluia. En tant que preacher, tu sais là-dedans. Isaac never heard the voice of God again. Isaac n'avait jamais entendu la voix de Dieu. Quand Ben avait dit à son père Abraham. The last time he heard the voice of God, God called Abraham. Je vois maintenant que tu me crains. I say that. Prends les derniers. Sacrifice à la place de ton fils. C'est la dernière fois. That's the last time. Amen. Amen. Mais il a écouté encore la voix de Dieu. He heard the voice of God again. Quelqu'un est béni. Jalousie. Ma bien-aimée. Sors. Fais un go. Just go. Tu es plus puissant que nous. You are more strong than I. Mais nous sommes plus puissants, vous êtes même en arrière. Amen. Tu es plus puissant que nous. Sors de ce pays. Mais nous sommes même en arrière, c'est quoi? Un royaume. Avec une armée. Listen, un royaume. A kingdom. Avec une armée. With the army. Avec un roi. With the avec un peuple. With il déclare à l'individu. Et tu es plus puissant que nous. That you are more powerful. Alléluia. Oh my God. Un royaume. A kingdom. Un roi. A king. Qui déclare. Avec son armée, that you, ils ont perdu une personne. You one man, on a perdu toi. You alone, mais ils ont une armée de Dieu. Avec les chefs, l'armée, les commandants, all of those, ils sont. They say, go out. C'est plus puissant que nous. You are more strong than we. La Bible dit, il a tout laissé. The Bible says he left everything. Quand il creuse quelque part, il trouve de l'eau. He did go out somewhere. Il dit non, mais ils ont pas besoin. They say this is. Par exemple, ma mère m'a dit. Il ne sait qu'il n'est pas. And that he wasn't. Il donne ses mains non. He was just giving. Comment moi chasser ici? Cette place est Isaac. I say this first day Isaac passed by. Comment moi chasser ici? As a chest. Cette place est Sidna. Il va se voir. Pourquoi il allait? Parce qu'il savait que son futur n'est pas grave. Son succès, c'est en lui. Quand il se déplace, il déplace avec la semence qui est en lui. With the seed inside of him. Hallelujah. Amen. Glory be to God. You don't understand. Ah, you don't understand. Brother Roger. Hey, Brother Roger. Brother Oscar. What is this? That's it. The futur de cette époque. The future is inside. The future is the la pomme. La pomme, comment va terminer l'anglophone de l'époque? La pomme, ça dit. The future of this apple. The future is inside. C'est une pomme à l'intérieur. Ce qui n'a pas qui est bon, pas c'est bon. La pomme qui est bon. Voilà, merci. Salut, écrit. It's gone. Alléluia. Tellement qu'il est libéré. It's gone forever. Attends, mais dans le voilà. Est-ce que tu n'es pas là? Quand c'est déplacé, ça ne se passe avec tout. It's going with everything. Maintenant, papa, je garde moi des morceaux. Papa, pour ça, je garde des morceaux. Comprenez? J'étais jeune, j'ai failli. Ah, voici un mot. J'ai jamais dit, j'ai juste abandonné. Ah, ouais.
Yes, abandon. What's inside? The seed. How many seeds? What is inside here? The grain. Seed inside. The grain. They are pre. Fitiria Ebola, a terminal catacassia about the future of this Ebola, he hid it in Zapa Bumia. What a cat, oh, you're such a man. That's a man, it's such a man. This is just a cover. Fitiria, no, I don't care. It's inside. Who comes up? I don't know. Poor Ebola, 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 Ebola. God is eating. Who did you fitir na yo? It's not a cancer. 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 Fitir na yo. It's not a cancer. The seed of your life is inside. You are right inside there. I am not a cancer. I see the seed of you. But you are such an insider. Hallelujah. Fitir na. And let me tell you a mystery. Jacob, they cast him out. Par son frère Saul, but his brother Saul. Because of inheritance. Mais écoute une chose. Saul vraiment était un insensé. Saul was such a fool. Insensé, ce n'est pas une juste dans la Bible. He's not an insensé. Fool, the Bible called people fools. They called people fools in the Bible. It's not an insult. On a mis son frère à chasser. His brother Castle. Il dit qu'à cause de l'héritage de chasse. Because of the inheritance. Maman dit que ne va te marier là-bas. So go and get married there. Il s'est disputé à cause de l'héritage. Isaac. Quand il est parti. When he left. Il a tout laissé dans la maison de son père. He left everything. Quand son père était mort. When il n'était même pas là. Wasn't even there. Vous savez. Le vrai héritier. Vous savez qui est le Isaac. Isaac qui est Saoul. Vous voyez par la tête, mais je fais trop de formation. Et tiens, c'est là qui est Saoul. Parce que Jacob, c'est là qui est dans la banque pour chercher le mariage là-bas. Il m'a dit, à Tiki, à Benel, il a tout laissé là-bas. Amen. La personne qui a vérité, c'était Saoul qui a tout pris. Puisque son frère, tout le monde qui va le faire commencer. If he saw the brother was going to kill him. Amen, l'église. Amen. Maintenant, chose drôle, c'est quoi? Ah, something amazing. Tant que les gens qui ont eu un apple in the seed inside. Il est parti avec la pomme et la graine. Tout ce qu'il faisait là-bas. Tout ce qu'il faisait là-bas. All what he was doing. Ça réussissait. Pourquoi ça réussissait? Why? Parce que. Because. Saul n'avait pas compris que. Saul would never understand. Et tu dis seulement ce qui est. Yes. Nous avons compris que we understood. L'Éternel est ton Dieu. Because he left with the Avec son conseiller.
Your shame.
is my problem. Tu vas donner le problème. Tu vas déclarer, Seigneur. C'est le problème David. David a dit que non. Tu as insulté les rois de Dieu, mais il ne sait pas ta fidélité. Maintenant qu'il est capable de victoire, toi tu vas parler. Toi comme David, parle, Seigneur Dieu. Aussi longtemps que cette montagne est devant moi, ton nom ne sera jamais glorifié. Aussi longtemps je suis célibataire. Aussi longtemps je suis locataire. Aussi longtemps je n'ai pas d'enfant. Aussi longtemps je n'ai pas un bon travail. Aussi longtemps je n'ai pas les moyens pour payer les frais scolaires. Ta réputation sera mise en danger. Fais quelque chose pour la gloire de ton nom. Et Dieu va le faire. Vous protégez sa réputation. On va prier. Alléluia, Jesus Christ. We sing after singing. Then we pray together. On va chanter avant de la chanson. Thank you, Jesus. I worship you, Lord. Only one thing. Yahweh, Yahweh, Salah.